Donald Trump a récemment fait état de la volonté de l'Amérique d'être à nouveau dominante dans l'espace. Et certains ont parlé d'un retour de la fameuse guerre des étoiles dont il avait été question, dans des termes d'ailleurs tout à fait abusifs, au cours des années 80. Il m'a paru donc intéressant de revenir sur cette séquence, de revenir sur cet épisode, pour en tirer un certain nombre de leçons et voir quelle signification il est possible d'en donner. Il y a 35 ans, en effet, en 1983, le 23 mars 83, Ronald Reagan lançait ce que d'aucuns ont appelé la guerre des étoiles. Il est plus juste de parler de bouclier spatial et d'initiative de défense stratégique, car, comme nous allons le voir, les étoiles n'ont pas grand-chose à voir dans ce projet. Il s'agissait de mettre en œuvre des moyens nouveaux pour protéger le territoire américain d'éventuelles frappes nucléaires soviétiques. Alors, automatiquement, l'URSS va dénoncer une nouvelle course aux armements. Les pacifistes professionnels, eux, vont dénoncer la rupture de l'équilibre de la terreur qu'ils condamnaient pourtant vivement auparavant, vont annoncer que tout cela rend possible de nouveau une guerre. Les Européens vont s'inquiéter parce que protéger le sanctuaire national américain, ça peut peut-être préluder à un découplage entre l'Amérique et l'Europe occidentale, l'Amérique n'étant pas prête à risquer Houston ou New York pour Hambourg, comme l'avait dit jadis Harry Kissinger. Enfin, d'autres observateurs n'y croient pas du tout, en pensant que le discours de Reagan relève de la science-fiction pure et simple. Oui, mais en septembre 85, un laser chimique de forte puissance détruit un missile sur le polygone de White Sands dans le Nouveau-Mexique, et selon le général Abramson, qui commande les opérations dans ce domaine, eh bien le missile en question a été littéralement pulvérisé par le laser. Quelques jours plus tard, c'est un missile anti-satellite tiré depuis un F-15 Eagle qui va partir de la base d'Edwards, qui va détruire un satellite tournant à 500 km d'altitude, un satellite qui était en orbite depuis 7 ans, un satellite américain bien entendu. Donc nous avons là un missile d'une portée de 500 km, nous avons des avions dont le rayon d'action est de 2500 km, mais qui peut être porté à 7500 après ravitaillement en vol, autant dire que l'Amérique se dote de moyens d'action nouveaux et en mesure de porter des coups décisifs à des distances très lointaines. Des cibles en orbite ne sont plus à l'abri des frappes en question. De plus, la petite taille de l'engin à considérer fait qu'il est peu vulnérable aux contre-mesures ou à d'éventuels coups adverses. La plupart des satellites circulant dans l'espace sont donc désormais à portée de ce nouveau système d'armes. Ce qui veut dire que moins de 3 ans après le discours de 1983, eh bien, la guerre de l'espace est déjà une réalité. Le projet évoqué par Reagan est devenu une réalité. En fait, l'histoire de la guerre de l'espace est déjà ancienne. La stratégie spatiale n'est pas quelque chose d'absolument nouveau. Dès 1957, avec la mise en orbite du Sputnik soviétique, bien entendu, les spécialistes se sont penchés sur la question et ils ont contribué à exploiter au mieux les perspectives qui étaient ouvertes par cette percée technologique à l'époque tout à fait spectaculaire. Hein. Moins de 30 ans après la mise en orbite du Sputnik, 250 satellites militaires tournaient déjà autour du globe, hein, et en janvier 85, le lancement de la navette spatiale Discovery annonçait même une époque nouvelle dans l'exploitation militaire de l'espace. Tout cela va être mis en cause par l'accident de la navette Challenger quelques temps après. De plus, c'est par l'espace que passent 70 à 80% des communications des forces américaines, hein, à une époque où le fameux triple C, commande, communication, contrôle, domine de plus en plus les pratiques stratégiques
tout totalement déterminée désormais par une innovation technologique de plus en plus galopante. C'est à partir de l'espace que l'on peut déclencher des alertes précoces sur l'envol, par exemple, de missiles adverses. C'est à partir de l'espace que l'on peut identifier des expériences nucléaires que l'adversaire aurait voulu tenir secrètes. Hein. Tout un réseau de satellites est mis en place dans cette perspective. C'est à partir de l'espace que l'on peut obtenir du renseignement par la photographie. Hein, à 160 km de distance, les satellites peuvent photographier des objets qui mesurent 15 cm et sont capables de rendre compte donc des évolutions en cours, soit des déplacements des troupes. Hein. On sait comment en 1990, les Américains ont suivi de très près les mouvements de troupes irakiennes à la veille de l'invasion du Koweït, par exemple. Hein. Alors, toute cette surveillance, d'ailleurs, elle est admise par les accords passés alors entre Américains et Soviétiques, hein, les fameux accords SALT de limitation des armements stratégiques conclus dans les années 1970. C'est à partir de l'espace que l'on peut réaliser aussi des aides à la navigation aérienne et navale, et également favoriser les liaisons avec les forces terrestres quand elles se trouvent sur des théâtres d'opérations lointains. Tout cela est cornaqué par des commandements militaires spatiaux, aussi bien aux États-Unis qu'en URSS. Et dès 1985, le budget militaire spatial américain, hors l'initiative de défense stratégique annoncée par Reagan en 1983, eh bien il s'élevait à 5,5 milliards de dollars, c'est-à-dire le double de celui de la NASA. Dans cette perspective, on avait mis très tôt, donc je l'évoquais, des armes anti-satellites. C'est l'US Air Force qui s'était chargé de tout cela, avait expérimenté ces différents systèmes d'armes. Et en 1975, la mise au point du couple F-15-MHV permettait de remplacer même des fusées tirées du sol pour détruire des cibles dans l'espace. Les Soviétiques en faisaient autant. Tout cela ne tombait pas sous les coups des traités de limitation, puisque c'était des choses différentes du traité anti-ballistic missile, ABM, conclu en 1972 entre Soviétiques et Américains. On n'allait pas en rester là, et au début des années 80, le général Daniel Graham, soutenu par l'Heritage Foundation, un think tank conservateur américain, va suggérer la mise en œuvre d'un programme haute frontière de guerre dans l'espace. Et si au début ces efforts ne rencontrent guère de résultats, la commission du Pentagone rejette le projet. Le Congrès en fait autant, mais il va bénéficier du soutien de l'un des personnalités plus marquantes du système nucléaire américain, Edward Teller, et également George Kaworth avec lui, qui vont influencer Reagan pour l'intéresser aux 10 projets. Et c'est comme cela qu'on va arriver au discours de Reagan de 1983, qui suscite immédiatement les craintes du soviétique Yuri Andropov, parce que celui-ci mesure bien les conséquences d'une affaire de ce genre qui risque de remettre en cause l'équilibre de la terreur et de donner de ce fait une liberté d'action toute nouvelle aux Américains par rapport aux rivales soviétiques. D'autant que les Américains ne traînent pas. Dès avril 1984, une organisation de l'initiative de défense stratégique issue de l'US Air Force est mise en place sous la direction du général Abrahamson que j'évoquais tout à l'heure. 15,5 milliards de dollars sont déjà prévus pour la recherche en ce domaine à ce moment, hein, pour la recherche spatiale militaire donc, et 26 autres milliards doivent être débloqués dans les 5 ans, autant dire que le chantier est immense. Alors, conséquence de tout cela, c'est la stratégie qui avait dominé jusque-là la guerre froide, la stratégie des destructions mutuelles assurées,
qui se trouvait remise en cause. En un mot, c'est la stratégie de l'équilibre de la terreur. Chacun des deux acteurs se voulait en mesure de frapper l'autre, quel que soit celui qui prenne l'initiative de frappe initiale. On avait vécu sur cet équilibre inquiétant pendant plusieurs décennies. Les deux grands blocs ne s'affrontaient que par stratégie indirecte, hein, par vietnamien interposé, entre autres, mais il n'y avait pas eu d'affrontement direct global entre les deux. Alors, tout cela, évidemment, changeait tout. Il s'agissait d'interdire pour les Américains l'arrivée d'ogives nucléaires sur le territoire américain, avec des missiles antimissiles, avec des satellites tueurs, avec l'utilisation notamment de moyens laser, avec des armes anti-satellites spécifiques. Il y avait là un chantier énorme pour développer de nouveaux systèmes. Certains considèrent tout cela avec beaucoup de scepticisme et pensent qu'il s'agit d'une pure utopie. Mais d'autres font valoir qu'en 1960, quand Kennedy s'engage à envoyer des Américains sur la Lune avant la fin de la décennie, eh bien les choses ne se présentaient pas de manière plus favorable, mais qu'au bout du compte, en 1969, eh bien, les Américains ont bel et bien débarqué sur la Lune. Donc ce programme de militarisation de l'espace, eh bien, on peut penser qu'ils vont se donner les moyens de le mettre en œuvre. Il s'agit de détruire les missiles intercontinentaux adverses, éventuellement les missiles tirés depuis des sous-marins. Alors, comment ? Il s'agit de profiter de leur trajet dans l'espace pour les détruire. C'est une entreprise évidemment très, très ambitieuse, hein, qui nécessite une maîtrise considérable des moyens techniques mis en œuvre. Il faut préciser que ni les euromissiles, qui font l'objet à l'époque d'un grand débat en Europe pour le déploiement des missiles américains qui sont censés contrer le déploiement des SS-20 soviétiques, hein, ni les missiles de croisière, hein, qui passent sous les couvertures radar, ne sont concernés par cette guerre des étoiles, entre guillemets, qu'il vaut mieux donc baptiser, on l'a dit, bouclier spatial. Le défi est grand à relever parce qu'il y a des engins qui sont des engins portant une tête nucléaire, mais on a réalisé au cours des années précédentes des engins qui en portent plusieurs. Hein, et il faut savoir que pour détruire les engins en question, on dispose à peu près d'une demi-heure. Pour cela, il y a plusieurs échelons qui sont prévus, une défense globale qui s'opérera dans l'espace, une défense de régionale, et puis enfin une défense de zone plus particulière. À chacun de ces niveaux, il faut détruire 90% des matériels adverses, des engins adverses. Pour cela, l'arme laser est considérée comme la solution idéale, puisque le faisceau laser a une action quasiment instantanée pour détruire les missiles identifiés et ciblés. Et on lance même des études sur des armes utilisant des faisceaux de particules qui pourraient avoir des effets comparables. Sans oublier les missiles antimissiles. Hein. On va avoir ainsi, par exemple, nous l'avons vu en 84, un missile classique qui va frapper une ogive à 180 km d'altitude, mais se pose la question aussi de l'armement nucléaire des missiles antimissiles en question, car des explosions nucléaires dans l'espace peuvent avoir des conséquences redoutables, notamment pour les communications
nations au sol. Donc les moyens techniques en tout cas se mettent en place, les moyens techniques vont être disponibles et les expériences se poursuivent. On va voir ainsi également en 84 une fusée Minuteman partie de la base de Vandenberg aux États-Unis détruire à 160 km d'altitude une fusée qui est partie, elle, de l'atoll pacifique de Kwajalein, ce qui traduit évidemment une précision tout à fait extraordinaire de l'engin en question. Alors tout cela, évidemment, va avoir un coût considérable. On a vu les budgets qui étaient mis en œuvre, les budgets annoncés pour réaliser tout cela. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cet investissement dans le domaine militaire spatial peut avoir des retombées technologiques et industrielles absolument extraordinaires. On a vu le résultat pour l'industrie américaine de la conquête de la Lune réalisée au cours des années 60 en matière d'informatique notamment. Donc on peut penser que le travail effectué, l'investissement effectué pour cette guerre des étoiles, entre guillemets, eh bien, ça veut avoir pour l'économie américaine des retombées considérables. Alors cela dit, il faut savoir que les soviétiques ne sont pas en reste. Eux aussi veulent se doter de moyens de ce type. Hein. Alexei Kosygin, en 1967, par exemple, expliquait qu'il préférait protéger 1 million de soviétiques que de tuer 1 million d'Américains. Dans le même temps, Reagan annonçait qu'il préférait protéger les Américains plutôt que les venger. On était dans la même démarche en quelque sorte. Hein. Alors les soviétiques ont des moyens eux aussi, tout un système de radars, tout un réseau de radars très élaboré, dont le centre est à Krasnoyarsk, hein, des radars d'alerte, et ils maîtrisent, on l'a vu avec la conclusion du traité ABM, ils savent maîtriser également les missiles antimissiles. Ceux qui s'interrogent dans cette affaire, ce sont les Européens, hein, et notamment les deux puissances nucléaires, la France et l'Angleterre, hein, parce que leur stratégie de dissuasion repose toujours sur la garantie des destructions mutuelles assurées. Et ça leur paraît suffisant pour maintenir leur sécurité. Ils pensent pouvoir ainsi assurer l'immunité de leur territoire respectif. Et ils craignent qu'avec le bouclier spatial qui est en train de se mettre en place, eh bien, quelque part, la guerre redevienne possible, puisque les sanctuaires nationaux, notamment le sanctuaire américain, seraient désormais hors de portée de frappe nucléaire. Alors, il faut savoir aussi que quand on est européen, l'initiative de défense stratégique, le bouclier spatial américain, n'est pas vraiment en mesure de protéger l'Europe des SS-20 soviétiques, hein, ces fusées qui ont déclenché toute la crise des euromissiles quelques temps auparavant. Hein. Les SS-20 soviétiques, il y en a à peu près 300 qui sont déployés à 3 têtes nucléaires par fusée, ça fait 900 objectifs qui peuvent être pris en compte, évidemment, et ça, le bouclier spatial, du fait d'un délai trop court, ne paraît pas adapté pour y faire véritablement face. Hein. Je l'ai dit, il n'est pas en mesure aussi de protéger contre les missiles de croisière, hein, tirés aussi à des distances moyennes et qui ont la caractéristique de passer sous les couvertures radar. Alors, toutes ces hésitations font que les Européens persistent à penser qu'une bonne dissuasion, ça vaut mieux qu'une initiative de défense stratégique à la fiabilité incertaine. Quant aux Américains, ils développent à l'époque le concept Airland Battle du général Rogers. Ils pensent qu'une bataille conventionnelle simplement peut être gagnée en Europe avec une nouvelle génération d'armes, dites armes intelligentes, hein, capables de neutraliser
c'est le deuxième échelon soviétique. Hein. Et puis tous ces débats vont être finalement dépassés, puisque l'arrivée de Gorbatchev aux affaires en URSS et la détente prolongée qui s'installe alors entre les deux blocs va conduire, on le sait, en 89 à la chute du mur de Berlin, en 91 à la fin de l'URSS, et évidemment, dans ces conditions, le bouclier spatial va passer au second plan. Mais on constate que aujourd'hui, nous sommes donc 30 ans plus tard, hein, eh bien, ce bouclier spatial, à un moment où l'Amérique entend être de nouveau présente dans l'espace et en position dominante, comme l'a précisé le président Trump, à un moment où les Chinois font également d'énormes efforts dans ce domaine et envisagent même de débarquer sur la Lune dans les années qui viennent, et au moment où la Russie est toujours, elle aussi, un acteur essentiel dans le domaine spatial, eh bien, on peut considérer que tout ce projet-là peut retrouver à moyen terme une nouvelle actualité en écho aux récents propos du président Trump. Alors, j'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Jean-Claude Rollina, parce que nous allons parler avec lui d'un sujet qu'il connaît bien, à savoir l'histoire du Canada. Comme je l'ai évoqué récemment, j'ai parlé de la fin du Canada français, de l'épopée des Montcalm et autres Vaudreuil, mais à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du Canada souverain en 1867, eh bien nous allons voir ce qu'a été ensuite l'histoire de ce pays, et en particulier l'histoire de la minorité francophone du Québec, hein, où s'est développé tout un mouvement indépendantiste significatif, hein, et puis voir où en est la situation aujourd'hui, une situation qui, je crois, n'est pas spécialement encourageante. Alors Jean-Claude Rollina, en fait, a publié un ouvrage qui s'appelle « Le Canada français, de Jacques Cartier au génocide tranquille ». Vous voyez, le sous-titre est tout un programme en lui-même. J'ajoute que c'est un ouvrage qu'il a réalisé en collaboration avec Rémi Tremblay. Jean-Claude Rollina, qui nous a déjà donné des biographies tout à fait originales de Juan Perón et de Ian Smith. Et puis, également, un ouvrage paru aux éditions de la Synthèse nationale, « La Hongrie, sentinelle de l'Europe ». Alors, Jean-Claude Rollina, le Canada, pour nous Français, effectivement, ce sont les fameux arpents de neige que méprisait Voltaire, c'est un immense territoire que les Français ont perdu faute d'avoir mis les moyens nécessaires pour tenter simplement de le conserver, face à un adversaire anglais qui, lui, avait particulièrement bien mesuré les enjeux que représentait cet immense territoire, des Anglais qui se sont donné les moyens sur le plan militaire et sur le plan naval, bien sûr, de l'emporter contre les Français au cours de cette longue rivalité pour la prépondérance qui commence en fait sous Louis XIV et qui se terminera en fait à Waterloo en 1815. Alors, le Canada, c'est une affaire terminée pour les Français avec le traité de Paris de 1763 qui met fin à la guerre de 7 ans. Comment, à ce moment-là, se passent les choses? On pouvait tout craindre, parce qu'on sait comment les Anglais s'étaient comportés avec les Français d'Acadie quelques années auparavant. Hein, c'est là le grand dérangement, la grande déportation des Français d'Acadie. Comment se passent les choses au lendemain du traité de Paris, sachant qu'il y a toujours, en Nouvelle-France, dans ce qui était la Nouvelle-France, 60 000 colons, une administration, des prélats, un évêque qui encadre cette population francophone. Alors, il s'est passé plein de choses, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ces 60 000 de 1763, ils sont devenus 7-8 millions aujourd'hui. Exact.
Alors, vous avez effectivement souligné à juste titre que les Anglais se sont donné les moyens. Ils se sont donné aussi un moyen supplémentaire, c'est le peuplement de cette colonie. Très rapidement, les 60 000 colons français ont été le chiffre a été rejoint et largement dépassé par les colons en provenance du Royaume-Uni. Et puis des colonies anglaises d'Amérique, je pense. Alors, j'imagine aussi. Plus tard, lorsque la Révolution américaine prendra son essor, 30 à 40 000 colons anglais qui refusaient l'indépendance des futurs États-Unis sont venus s'installer à ce qu'on appelait à leur époque le Canada. Alors, la Nouvelle-France, bien entendu, vous l'avez souligné. Les loyalistes, ceux qu'on a appelés les loyalistes. Alors, la Nouvelle-France, vous l'avez souligné. Et tout d'abord, il y a eu un avertissement sévère avec la perte de l'Acadie. L'Acadie, c'est quoi? C'est aujourd'hui une partie du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, et accessoirement Terre-Neuve. Bon, c'est ce qu'on appelait l'Acadie. Et ces gens-là n'étaient pas très nombreux, ils étaient beaucoup moins nombreux que les colons installés au futur Québec. Mais il n'empêche que, contrairement à ce qui va se passer de relativement favorable, entre guillemets, pour les colons québécois, eux vont être victimes, vous l'avez dit, du grand dérangement, c'est-à-dire une infâme déportation qui a conduit ces pauvres Acadiens à fuir et à traverser les Appalaches et aller venir terminer leur carrière et se réfugier dans les bayous de Louisiane, ce qui fait qu'il y a encore aujourd'hui dans l'État de Louisiane 300 à 400 000 locuteurs, je dois le dire, l'ayant vérifié d'un très mauvais français. Or, vous le dites, nous avons perdu le Canada parce que Louis XV, comme un certain Charles de Gaulle dans le futur, aura sans doute estimé qu'il fallait brader les empires. D'ailleurs, Louis XV n'a pas aidé non plus M. Duplex aux Indes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, Louis XV ne s'intéresse plus au Canada et le Canada passe sous la souveraineté britannique. Alors, les Britanniques, objectivement, je suis obligé de le constater, sont plus intelligents que les Français dans leur colonisation. Peut-être plus pragmatiques d'ailleurs. Dans beaucoup de colonies, ils ont pratiqué le gouvernement indirect. Tout à fait le contraire de ce que la République, la Troisième, a fait, qui voulait l'assimilation. Eux, ils ne veulent pas de ça. Et ils ne veulent pas assimiler les colons québécois qui sont français. Alors, ils leur laissent le droit coutumier et surtout, ils leur laissent pratiquer leur religion, la religion catholique, sous réserve qu'ils prêtent serment de fidélité au roi d'Angleterre. Ils auront, objectivement, constatons-le, un sort plus favorable que le million de pieds noirs et de harkis qui sera obligé de fuir dans la détresse en 1962. Là, en 1765, lorsque les Britanniques prennent contrôle de la totalité de cette province, ils ne déportent pas les populations, contrairement aux Acadiens. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous avez un gouverneur britannique, bien entendu, qui prend les choses en main, et les colons français, eh bien, continuent de vivre leur vie d'agriculteurs, de bûcherons, de charpentiers, de coureurs des bois, parce que nous verrons peut-être plus tard que ces fameux coureurs des bois ont essaimé et qu'ils ont été vers l'ouest, au Manitoba notamment, et au Saskatchewan, pour fonder des îlots francophones, en se mélangeant notamment, ce que ne faisaient pas les Anglais, aux Indiens. Voilà. Et alors les Indiens, il faut bien le dire, j'ouvre une petite parenthèse pour les amis qui aiment le cinéma, nous avons eu évidemment l'adaptation au cinéma du fameux roman de Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans, et dans Le Dernier des Mohicans, évidemment, les méchants indiens sont les Hurons, et les héros sont les Iroquois. Eh bien, il faut inverser la lecture. Pour nous, Français et francophones, les bons indiens étaient les Hurons qui soutenaient les troupes royales françaises et Monsieur Montcalm. Monsieur Montcalm, il faut le rappeler, et je le rappelle encore, évidemment, a trouvé la mort le même jour, coïncidence incroyable, le même jour que le général Wolfe dans les plaines d'Abraham, qui sont aujourd'hui inclus dans la ville de Québec. Voilà, nous en sommes là, et ce Canada va évoluer lentement vers un nouveau découpage décidé par la couronne. En 1791, on crée une province du Haut-Canada, qui correspond grosso modo à l'Ontario, et on va, si vous voulez, créer institutionnaliser le Bas-Canada, qui est en gros le Québec, le Labrador, et les futures provinces maritimes. À l'époque, il y a déjà quand même 160 000 francophones.
parce qu'il y a une démographie extraordinaire qui s'explique sans doute par une foi catholique intégrale, alors que les colons français ne bénéficient d'aucun renfort venant de la métropole. C'est terminé. Hein, et aucun colon français ne peut venir s'installer. En revanche, les colons britanniques arrivent massivement. Ce qui fait que progressivement, eh bien, le Canada va être dominé par une population originaire d'Angleterre, d'Écosse, de Cornouailles, d'Irlande du Nord, j'en passe et des meilleurs, une population essentiellement britannique. Et ce Canada va émerger quand même un certain nombre de consciences francophones qui vont s'orienter vers plus de liberté, des revendications autonomistes. Et nous avons notamment Monsieur Louis-Joseph Papineau, oui, qui va être le leader d'un Canada francophone, oui, bien timide, en étant président de l'Assemblée législative, le Conseil législatif qui se met en place. Hein, je le disais tout à l'heure. Conseil législatif pour la partie francophone. Pour la partie du Bas-Canada. Donc, du Bas-Canada, et symétriquement, les Anglais créent évidemment un conseil pour le Haut-Canada, la partie anglophone. Et vous voyez, c'est la différence que je soulignais tout à l'heure entre l'esprit, disons, intégrateur de la République française et l'esprit plutôt décentralisateur et fédéraliste des options britanniques. Et M. Papineau va être le premier grand francophone qu'on va conserver dans l'histoire comme étant le porte-parole des intérêts des francophones du Canada. Mais ça ne suffit pas. Les Anglais, évidemment, sont dominants et il va y avoir une volonté séparatiste, une volonté indépendantiste qui va se manifester en 1837, la période que l'on appelle la révolte des patriotes. Alors effectivement, ce sont des Canadiens français vivant au Québec qui vont prendre les armes contre la puissance britannique. Mm-hmm. Ça va mal se terminer car le rapport des forces est totalement défavorable et ces gens-là vont être ou pendus, ou fusillés, ou exilés, et ils vont passer la frontière des États-Unis pour y chercher protection. Pendant un certain temps, ils vont créer des groupes mobiles qui s'appellent les Frères de la Forêt. D'ailleurs, c'est très curieux, les Frères de la Forêt, c'est le même nom que les partisans lituaniens prenaient pour résister aux soviétiques. Enfin, c'est un petit clin d'œil, ça n'a rien à voir. Ce Canada a un nouveau gouverneur qui s'appelle M. Lord Durham, et lui, il a constaté quand même que s'il existait un Canada uni, il y avait deux nations en guerre dans le même État. Et ça, ce ne sont pas les francophones qui le disent, c'est le gouverneur anglais. Alors, les Anglais vont quand même pratiquer toujours ce qu'ils font un peu partout. Ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et ils vont créer un Dominion du Canada, c'est-à-dire un gouvernement indirect. On nomme un gouverneur général qui a les prérogatives, disons, régaliennes, mais au niveau de l'intendance, comme aurait dit un certain général, au niveau de l'intendance, eh bien, on laisse la main aux autochtones. Et il va y avoir cette fameuse confédération canadienne dont nous fêtons le 150e anniversaire. Quand je dis fêter, en ce qui nous concerne, on pourra utiliser le terme de commémorer, ça sera largement suffisant. Le 1er juillet 1867 est proclamée la confédération donc du Canada. Et elle est constituée, et c'est là où on voit la dissymétrie entre les deux, puisqu'il y a deux peuples fondateurs théoriquement, le peuple canadien-français et le peuple canadien-britannique. Mais on va voir que le rapport de force va terriblement évoluer. Dans le cadre des mêmes institutions, il est évident que les Canadiens-français, étant moins nombreux, auront moins la parole au Parlement. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on institutionnalise là, effectivement, les provinces du Canada, c'est-à-dire sensiblement le même système qu'aujourd'hui. Il va y avoir la province du Bas-Canada qui devient la province du Québec, il va y avoir la province du Haut-Canada qui devient l'Ontario, et puis là, on crée ce qu'on appelle les provinces maritimes, alors l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, où il y a une très forte minorité francophone, un tiers de la population aujourd'hui, la Nouvelle-Écosse, et accessoirement, il y aura Terre-Neuve qui rejoindra, après la Deuxième Guerre mondiale, la Fédération canadienne. Et ce n'est que plus tard que sont constitués le Manitoba, le Saskatchewan, l'Alberta,
parallèlement, les grandes provinces de l'Ouest. Tout à fait. Parallèlement à la conquête de l'Ouest par les États-Unis, c'est-à-dire l'idéal, c'est d'aller de from coast to coast, hein, d'aller de la côte atlantique à la côte pacifique, le Canada aussi, lui, il va entreprendre cette colonisation en marche. N'est-ce pas, dirait quelqu'un, en marche vers l'ouest. Et là, évidemment, il y a la construction du chemin de fer, le transcontinental. Et effectivement, vous l'avez souligné à l'instant, on va créer des nouvelles provinces. Et en créant des nouvelles provinces, évidemment, on donne de nouveaux droits au Parlement canadien, à de nouvelles provinces, de nouveaux sièges, de nouveaux députés, qui sont bien entendu majoritairement anglophones. Et là, j'ai évoqué tout à l'heure la révolte des bois brûlés. J'ai esquissé ces populations de coureurs des bois et qui avaient fondé des familles, alors notamment dans la province du Manitoba, et ils ont un leader qui s'appelle Louis Riel, et ces coureurs des bois qui ont épousé des femmes indiennes et qui ont donc des enfants, etc., qui constituent une nouvelle population légèrement métissée, ils vont se soulever progressivement, et ils vont même en 1870 créer un gouvernement dans la nouvelle province du Saskatchewan, qui est à côté du Manitoba, et ils vont créer ce gouvernement à Batoche. Mais seulement, les Anglais ne vont pas accepter cette sécession, cette partition, et ils vont envoyer le général Middleton avec 8000 soldats, notamment les fameuses Red Jackets, les fameuses tuniques rouges, qui vont écraser ces rebelles. Et Louis Riel, évidemment, sera jugé à Regina, qui est la grande ville du Saskatchewan, de l'Alberta, pardon. Alberta. Et c'est le quartier général de la Royal Canadian Mounted Police, les fameux. Voilà. On appelle ça aussi la GRC, Gendarmerie Royale Canadienne. Enfin, ça, c'est pour faire bien. Et Monsieur Riel va être pendu haut et court le 16 novembre 1885. Ouverture fenêtre dans l'histoire du Canada en 1887, premier ministre francophone, Monsieur Wilfrid Laurier, qui devient donc le chef du cabinet, et vont s'alterner après, effectivement, des premiers ministres britanniques et des premiers ministres anglophones, pardon, et des premiers ministres francophones, et vont alterner effectivement le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur canadien, ça représente la division politique jusqu'à nos jours, jusqu'à l'émergence d'un courant nationaliste autonomiste séparatiste canadien francophone. Alors, il y a quand même une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir. Lors de la Première Guerre mondiale, comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que le Canada étant un demi-million, il devait donner à la mère patrie lointaine de la chair à canon, et nous avons eu ce qu'on a appelé les révoltes anti-conscription, notamment en 14-18, et en la Deuxième Guerre mondiale 20 ans après, un fort mouvement de population pour s'insurger contre l'enrôlement des jeunes Canadiens français et anglais, surtout français d'ailleurs. C'est surtout dans la partie française. Que le mouvement est important. Tout à fait. Et quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, à Dieppe, il suffit d'aller voir cette longue plage, et on a débarqué pour tester les résistances allemandes, eh bien, écoutez, ça a été un carnage abominable. On peut comprendre, effectivement, que les mères, les fiancés, les pères n'aient pas voulu que leur enfant puisse partir à cette boucherie, ce qui n'a pas empêché quand même que 60 000 soldats lors de la Deuxième Guerre mondiale et 41 000 soldats ont été tués lors de la Première Guerre mondiale, notamment à Vimy. Il y a un énorme monument qui commémore la mémoire. On vient de célébrer la victoire canadienne de Vimy. La victoire canadienne, oui, mais il y a quand même eu une victoire au prix de 41 000 tués. Qui a coûté très cher, bien sûr. Tout à fait. Pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu moins de victimes, mais enfin, il y en a quand même 12 000, ce qui n'est pas rien. Donc ça a été une cassure supplémentaire dans le processus d'unification du Canada. Et comme en Afrique du Sud, je fais un parallèle, entre les populations anglophones et africanaires, pendant longtemps, il y a eu un clivage. Ce clivage en Afrique du Sud s'est estompé parce qu'il y avait la menace démographique noire. Mais au Canada, il n'y avait pas encore de menace démographique venant de l'immigration, et donc il y avait une division très forte entre les
anglophones et les francophones. Alors bon, on a eu, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, on a eu quand même un certain nombre de personnalités dont les noms ont franchi l'Atlantique. On a le grand écrivain, Louis Aymon, qui a écrit le célèbre roman Maria Chapdelaine. Il y a eu un grand journaliste qui s'appelait Henri Bourassa, qui a créé le journal Le Devoir. Les Bourassa, qui sont une dynastie qui donneront ultérieurement des premiers ministres à la province du Québec. Et nous avons eu aussi l'abbé Lionel Groulx, qui était le penseur de l'idée autonomiste et québécoise, un homme d'église, un grand littérateur et qui était un fervent admirateur de la doctrine de la Terre des Pères. Et alors là, apparaît un homme qui est né en 1890 et qui est mort en 1959, c'est Maurice Duplessis. Alors Maurice Duplessis, excusez-moi du peu, il est quand même resté au pouvoir à la tête du Québec pendant 23 ans. Qui était ce monsieur? Eh bien Maurice Duplessis était un catholique fervent, un grand partisan de l'autonomie québécoise. Il n'est pas allé jusqu'au séparatisme. Il était très nationaliste francophone, défenseur de la langue, des coutumes, des mœurs et des usages du Québec, un peu un conservateur. Et alors, il s'est fait évidemment des ennemis. Pourquoi s'est-il fait des ennemis? Ben, notamment parce qu'il il avait une grande sympathie pour le maréchal Pétain. Notamment, il s'était manifesté pour demander sa grâce et son élargissement. Vous avouerez franchement qu'à l'époque, il y avait de quoi ne pas se faire des amis. Et on l'a traité de réactionnaire et on l'a qualifié de Salazar québécois. Bien. Là, c'était la totale. Et ses adversaires qui prendront le pouvoir plus tard, parce que la roue tourne, et ce sont les libéraux qui vont succéder à l'Union nationale. Ouais. Là, ces libéraux qualifieront toute cette période, les 23 ans de règne de M. Duplessis, de grande noirceur. Ah, d'accord. Ça vous donne déjà. Les heures les plus sombres de leur histoire. Les heures les plus sombres de leur histoire, vous me le volez. Et donc, suit à cette période, il faut bien le dire, assez conservatrice, mais c'était le respect des traditions familiales, c'était. Le poids de l'Église dans la société. Évidemment, il y a un mouvement d'émancipation et le Parti libéral profite de ces volontés d'émancipation, notamment de la gent féminine, puisque le féminisme pointe son nez, et on assiste à une période dans les années 70, l'émergence de ce qu'on appelle la révolution tranquille. Nous avons fait un écho, Tremblay et moi, au titre de notre bouquin, en utilisant non pas la révolution tranquille, mais le génocide tranquille. Et alors, c'est Jean Lesage qui va présider à cette période de mutation, une période de mutation ethnique et démographique. On commence déjà à faire l'ouverture des frontières. Ça, ils vont dans des questions d'actualité brûlantes. Le Canada s'ouvre, et alors, c'est la période aussi où vous avez M. Trudeau qui est Premier ministre fédéral. Alors lui, il est bilingue, totalement bilingue, et c'est le libéral libertaire intégral. Il y a une coïncidence entre le gouvernement libéral québécois et le gouvernement fédéral libéral au niveau canadien. Donc, vous voyez, ça ne va pas dans le bon sens, si je puis dire, des intérêts des Français du Canada. Ils se définissent comme Français du Canada. Et apparaît en 1963, fin des années 60, charnière des années 70, le Front de libération du Québécois, qui est alors là, lui, d'essence révolutionnaire, et qui va passer à l'action, et qui va se manifester notamment en posant des bombes et en assassinant un ministre de l'éducation du gouvernement québécois, M. Pierre Laporte. Là, c'est un choc considérable. Vous avez les mouvements indépendantistes qui se structurent, vous avez le Rassemblement pour l'indépendance nationale de M. Dalmagne, de M. Pierre Bourgault, la lance laurentienne de M. Barbeau, etc., etc. Ça va très vite. Et nous avons M. René Lévesque qui crée le Parti québécois et qui va lui demander carrément l'indépendance de sa province. Il obtient la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale québécoise, c'est le nom
que s'est donné le Québec pour son appareil législatif, et on assiste au premier référendum qui va être perdu de justesse par uniquement 49,4% de oui et 50,6% de non. Pourquoi ? Il y a une majorité de Québécois francophones qui ont voté pour l'indépendance. Mais la différence, eh bien, ce sont les populations indigènes, les populations autochtones, les Esquimaux, les Indiens, ils ne sont pas très nombreux, les Israélites et les anglophones qui constituent un gros poids, notamment à Montréal, parce qu'il y a la légende de Montréal, deuxième plus grande ville française dans le monde après Paris, c'est du bidon. C'est terminé. Alors, référendum perdu, évidemment, monsieur l'évêque va passer à la trappe. Il a des successeurs, et notamment Jacques Parizeau. Jacques Parizeau va tenter, lui, plutôt droitier, alors que monsieur l'évêque était plutôt à gauche. Et Jacques Parizeau va proposer à nouveau un deuxième référendum, en quelques années plus tard, et ce référendum, à nouveau, va être perdu en octobre 1995 par sensiblement le même score, vous voyez, ça n'avait pas évolué, et évidemment il va constater que ce pari a été perdu parce que les minorités étaient soudées pour refuser la séparation de la province du Québec. Voilà. Et alors, pour accélérer le mouvement, cette révolution tranquille est une révolution sociétale, totalement sociétale. Elle coïncide un peu avec aussi l'évolution du Canada au niveau fédéral. Encore qu'il y ait un petit coup de machine arrière, puisque vous avez eu Stephen Harper, conservateur, qui a pris le pouvoir, et puis il a été battu par qui ? Il est battu par le fils de son père, Monsieur Trudeau Junior. Alors Monsieur Trudeau Junior, c'est la copie conforme d'Emmanuel Macron. Voilà, vous avez parfaitement résumé. Il nous reste une minute là. Comment vous pourriez le présenter de... écoutez, je voudrais pas assommer le téléspectateur de chiffres, mais on va constater deux phénomènes. L'effacement de l'Union nationale, qui était un parti nationaliste, autonomiste, catholique, traditionnaliste. En 1970, il recueillait encore 20% des suffrages. En 1973, il en avait encore 18. Et en 1981, 4,6%. Aujourd'hui, il a disparu de la sphère politique. Les francophones sont en baisse partout au Canada. En 1851, les Québécois francophones représentaient 36% de la totalité du Canada. En 1971, ils n'étaient plus que 28%. En 2000, ils ne sont plus, dans les années 2000, que 23%. C'est pour ça que je dis que la Confédération canadienne est une escroquerie politique, parce que le peuple fondateur canadien-français n'a pas sa place, toute sa place dans cette fédération. Et la solution, c'est évidemment une partition intelligente. Et oui, et c'est pour ça que vous parlez dans votre sous-titre de génocide tranquille à propos de cette population canadienne-française. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Rollinat. Je renvoie à votre ouvrage « Le Canada français de Jacques Cartier au génocide tranquille » aux éditions du Alpha. Merci. Alors.